Ça fait déjà un bon moment que j'en parle de Ousmane Dembélé. Ses lacunes de finition. Ses lacunes de finition. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Ousmane Dembélé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo ici, nous on parle de foot ici. Nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Ça fait un bon moment dont j'en parle. Les lacunes de Ousmane Dembélé, les amis. Ces lacunes de finition. Cette balle au pied, il est très meilleur pour dribbler, etc. Mais le football ne se limite pas seulement au dribble. Tu dois être précis dans la dernière passe ou dans la finition. Tu dois être précis. Ousmane Dembélé, il gâche beaucoup d'occasions offensives, notamment lorsqu'il s'agit de marquer des buts. On l'a encore vu, c'est inadmissible que son face-à-face qui rate face à Nice là, il écarte le pied comme si ce n'était pas un joueur professionnel. Minimum, tu dois même tirer sur le gardien, les amis. Tu dois même tirer sur le gardien. Lui, il écarte carrément, il ouvre son pied. Pour moi, il a encore des problèmes sérieux à faire dans cet aspect. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur Ousmane Dembélé. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.